Hey, bonjour à tous. Je fais un petit live concernant l'audience qu'il y a eu hier en cours supérieure pour un appel que j'ai dans un procès contre le Barreau du Québec. Et bref, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier et en faisant quelques recherches, je vais vous démontrer qu'hier, il y a eu une vingtaine de témoins, 20, 25 personnes qui sont venues assister. Puis en passant, je les remercie beaucoup pour votre support hier. Mais je vais vous démontrer, j'ai promis qu'en 2019, je montrais la corruption à son meilleur. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer qu'hier, l'audience, il y a eu un crime de commis venant du Barreau du Québec. Puis vous allez comprendre ce qui s'est passé. Hier, c'était les mémoires d'appel qu'on avait déposées, parce que pour vous mettre dans le contexte, j'ai déposé un avis d'appel concernant une tentative d'extorsion de la part du Barreau du Québec à mon égard et à l'égard de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, qui montant total près de 9 000 $. Et puis, j'ai déposé un appel et Eliane Hogg, avocate représentant le Barreau du Québec, a fait une requête en rejet d'appel totalement frivole et vexatoire. Invoquant des motifs de délai au départ qui étaient complètement erronés. J'avais raison sur ce point-là. Elle s'est désistée dans son mémoire. Puis hier, on avait chacun un délai pour produire des mémoires, pour expliquer pourquoi que sa requête à elle devrait être rejetée. Elle, il fallait qu'elle en fasse un, pourquoi le juge devrait refuser ma requête. Bref, son mémoire, c'était complètement du n'importe quoi. Puis moi, j'en avais fait un que j'avais pris la peine d'envoyer un enregistrement audio au juge. Ben, c'est une femme qui était juge hier et je vais vous faire jouer l'enregistrement que j'ai déposé à la juge. La juge hier, c'est une audience qu'on pouvait juste faire un résumé oral de ce qu'on avait fait dans notre mémoire. Mais parce que c'est ce que la juge voulait, elle voulait pas qu'on embarque dans le mémoire, probablement pour pas que les gens dans la salle entendent tout ce qui se passe, mais je l'ai mis mon mémoire sur une des publications que j'ai faites sur mon mur. Puis je vais vous faire jouer l'enregistrement que j'avais déposé. Puis les gens hier sont témoins que premièrement, Eliane Hogg n'a jamais parlé. Il allait amener un petit stagiaire, puis tête à haut, il appelait ça un bantam. Quelqu'un qui était il est venu dire n'importe quoi, dans le fond, il n'y avait aucun argument à soulever à part que c'était mais que ma vie, ce que j'ai vécu devant des juges qui m'ont autorisé à le faire, les ententes que j'ai prises avec la couronne puis un arrêt de probation, il disait que c'était frivole, que c'était des inventions alors que j'ai déposé aux audios et c'est mon propre vécu personnel qu'un jeune petit comique qui est pas membre du Barreau du Québec est venu. En tout cas, je vais vous faire jouer l'enregistrement avant, puis je vais vous montrer la loi, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il a commis le jeune comme crime hier. Parce que je suis capable de vous prouver, il y avait des témoins. Hier, le jeune a fait un acte criminel hier en se présentant à la cour. Puis je vais vous citer les points de droit. OK, premièrement, je vais vous mettre l'audio. Ça, c'est l'audio que la juge, elle avait en sa possession hier. Et ça, c'est une conversation téléphonique avec Eliane Hogg. J'avais obtenu un jugement. Là, je le parle enregistrement à 1 minute 29, mais c'est Eliane Hogg qui est dessus. C'est vraiment l'audio déposé à la cour. Là, c'est pas un montage. De 1 minute 29 jusqu'à la fin, vous allez voir dans l'enregistrement. Et à deux places, elle confirme que j'ai déposé une preuve d'audio qui prouve de belle humeur. Et hier, ben eux autres, ils niaient que ça existait la preuve. Ils disaient que c'était seulement que des propos, mes interprétations. Mais j'ai dit à la juge, quand j'ai fait mon plaidoyer, j'ai expliqué que le jeune, je comprenais pas pourquoi il était là, premièrement. Et deuxièmement, je lui ai dit que si moi, je regarde pas un match de hockey des Canadiens un soir, ni à TV, puis si je suis pas présent, je peux pas commenter le match. Ben le jeune, c'est ce qu'il a fait hier. Il a fait une risée, un petit peu, mais plus que ça. En tout cas, je vais vous mettre l'audio, vous allez comprendre les réels débats que je fais. C'est pas des jokes. Les juges sont au courant. Conseil de la magistrature est au courant. Barreau du Québec, le gouvernement est au courant de ce que je fais. Puis ça, c'est une preuve avec Eliane Hogg. Des plaintes criminelles pour complot et extorsion. Tout simplement, je vais appliquer la loi et vous êtes en train d'essayer de venir m'extorquer de l'argent. Au lieu de s'asseoir avec moi, puis trouver un moyen d'entente, la couronne, puis le procureur général va perdre la face dans tout le dossier.
Parce qu'il existe des... J'ai essayé à reprises de m'en faire avec vous, M. Roy. J'ai même essayé de m'en faire avec vous avant de porter les accusations. Parce que vous savez... Vous m'avez dit, portez-les vos accusations, ça va m'en faire plaisir. Ben oui, c'est normal, parce que le juge Bellavance, il a dit que c'est fort louable ce que je fais, puis il m'a encouragé de continuer. Et ça, vous ne voulez pas le reconnaître. La seigneur n'était pas d'accord avec vous. Bien, qu'il ne soit pas d'accord, ça l'a été dit. Et maintenant, j'ai parti l'organisme sur ces propos-là. Donc, si un juge m'encourage, il existe des clauses grand-père, des droits acquis avec le temps. Et c'est ce que j'ai. On ne parle pas le même langage, vous et moi. Ben non, c'est sûr et certain. En passant, j'aimerais savoir, avez-vous fait un serment d'allégeance à la reine quand vous êtes devenu avocat? Avocate? L'article 5 sur les serments d'allégeance, l'avez-vous respecté? Je n'ai pas vos arguments, je comprends, vous pourrez les faire à la forme, on ne peut pas plaider. OK, parce que regardez, je veux juste vous mettre un in comme ça, l'article 5 sur les serments d'allégeance, et allez voir après ça l'article, je pense que c'est 126 du Code criminel. Quelqu'un qui n'a pas fait le serment d'allégeance, qui enfreint une règle de loi fédérale, et qui poursuit une personne sans avoir fait ce serment-là. Je veux juste vous lâcher un hymne comme ça, là. Moi, je veux pas faire de guerre. Je veux juste que le barreau du Québec et le conseil de la magistrature mettent des culottes sur un réseau d'enlèvement d'enfants. Et il n'y a pas personne qui va m'empêcher le droit à qui que j'ai. Dans le bon forum pour faire ça, selon moi. Ben non, mais c'est parce que dans le forum. Avez-vous compris? Je vais juste arrêter l'enregistrement. Je lui ai demandé. À ce que le barreau du Québec et le conseil de la magistrature mettent leur culotte concernant un réseau d'enlèvement d'enfants, et elle a dit que je ne suis pas sur le bon forum, autrement dit, pas devant le bon tribunal. Elle n'a jamais nié que ça existe, parce qu'elle est au courant. Le forum dans lequel on est, il y a des personnes qui vont tomber de haut. Et il y a beaucoup de personnes qui enquêtent sur le dossier. Vous le dites souvent, mais on n'en voit pas tomber. Fait que je... Ben là, il y en a un qui a tombé, puis si que le barreau du Québec, Claude Leduc, ça a été prouvé. Claude G. Leduc, c'est prouvé qu'il c'est lui-même qui a écrit le jugement. Ça a été déposé à court, les enregistrements. Pourquoi? Vous dites tout le temps qu'il y a des gens qui vont tomber. J'en ai pas vu tomber. Si à Drummondville, les juges s'intègrent, comme qu'il y a eu les juges de la Cour d'appel, ça serait déjà fini, cette affaire-là, puis je serais respecté, puis je serais déjà en train de travailler des... Le juge a ordonné un nouveau procès, le juge d'appel. Oui, tout à fait. Un procès parce que, sur le fond, vous avez un problème, dans le fond, c'est ce que je comprends. Non, sur le fond... C'est une problématique. Bien, c'est parce que j'ai jamais eu pu faire de défense, puis mes enregistrements n'ont pas été acceptés pareil, comme ce que le juge Lafrenière a fait. Il y a un audio qui confirme que Benoît va encourager à le faire, et le juge dit qu'il n'existe pas. À partir de là, le juge va tomber comme ceux qui me poursuivent. On l'a entendu à la cour. Pourquoi qu'il n'est pas dans le jugement? Ben oui, on l'a entendu à la cour. Avez-vous vu? Elle avoue. J'étais en train de lui expliquer qu'il existe un jugement, que le juge m'encourageait à continuer à le faire. Elle l'avoue. Et hier, elle a envoyé un petit stagiaire pour dire que c'était frivole, que c'était des interprétations. Et j'ai fourni un enregistrement à la juge qu'elle l'avoue. Entendu, ben, tu peux pas dire que le juge, il dit qu'il existe. Il a clairement dit qu'il n'adhérait pas à ça et qu'il ne le prendrait pas. Il est obligé de le prendre et d'y adhérer. Il n'a pas à votre opinion sur l'interprétation. C'est pas une opinion. Quand un juge dit c'est fort louable ce que vous faites et je vous encourage à continuer. Mais ça, c'est votre interprétation, ce que ça veut dire. Monsieur le juge, la première n'a pas la même interprétation que vous, puis moi non plus. Bien, ça, on s'en balance de votre interprétation parce que la preuve, c'est que le cheminement a été fait et les travaux communautaires ont été validés dans le passé. Si vous amenez. Vous avez vu mon argumentaire? Oui, c'est facile. C'est une farce. C'est vraiment une farce. Parce que votre 59 jours, là, vous ne connaissez même pas les règles de procédure pénale. C'est une requête en rejet. C'est pas sur le fond. Ben non, je le sais, mais votre requête en rejet, c'est une requête bouillon. Sur le fond, il va y avoir d'autres arguments. Là, on parle d'une requête en rejet. Oh oui, mais votre requête en rejet, c'est une requête bouillon parce que vos motifs sont même pas justes. Vous enfreignez vous-même l'article que j'ai cité l'autre jour, vous l'enfreignez vous-même, vous connaissez même pas le droit. Avez-vous lu le premier paragraphe où je dis que je renonce à ce point de droit-là pour les raisons que j'ai indiquées? Alors, on va pas plaider là-dessus, je renonçais. Donc, vos points de vote, c'est vos points de vote. Dans
dans ma requête en rejet, il y a deux points de droit. Il y avait le délai sur lequel j'ai dit que je ne voulais plus discuter parce que pour les raisons que j'ai mises dans mon argumentaire. Ouais. Et l'autre palette sur le fait que c'est frivole puis ça, c'est non compris. Ben c'est justement un audio que des gens ont entendu que vous appelez ça frivole. Vous prouvez votre mauvaise foi et c'est vous qui éliminez la confiance du public parce que la salle va être pleine. Et en tout. Si je me dis que j'ai pas raison, on me dira que j'ai pas raison. Moi. Non, mais on s'entend. Êtes-vous un beaucoup émissaire pour le Barreau du Québec, sérieux? Arrêtez de faire de la propagande. C'est pas de la propagande, je dénonce la vérité. Oui, bien ça, c'est votre vérité. Votre vérité, c'est pas... Bien, c'est la vérité de milliers de personnes qui sont victimes de ça au Québec. Bien oui, ça, c'est ce que vous dites. Mais vous êtes une victime, puis vous dites que c'est la... Vu que vous considérez comme une victime, tout le monde, c'est des victimes. Bien, les dossiers que j'enquête, j'ai les preuves qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants. Et une preuve, c'est une preuve. Faisant la preuve, mais pas en faisant des actes réservés aux avocats. Bien, c'est pas des actes réservés aux avocats que je fais là. Bien, ça, c'est votre interprétation de la loi. Le juge, la première, n'était pas d'accord avec vous. Bien, il n'est pas d'accord qu'un juge m'ait encouragé à le faire. Ça prend un imbécile pour ne pas reconnaître l'enregistrement. Vous tordez les faits, là. Puis c'est sûr. Je ne tords pas les faits. Le juge a clairement expliqué que, selon sa version, c'était pas ça faire des travaux communautaires. Parce que moi, je les avais faits sans organisme au début. Au début, il n'y avait pas d'organisme là-dedans. Là. Il n'y avait pas d'organisme qui ont validé. Lui, ce que le juge voulait, c'est que ça soit validé. Il m'a dit, c'est pas comme ça qu'on fait des travaux communautaires. Il faut que ça soit validé par un organisme. C'est peut-être fort louable ce que vous faites et je vous encourage à continuer. Monsieur Roy, je connais vos arguments. Vous m'appelez pourquoi aujourd'hui? Bien, juste pour vous dire d'aller vérifier la jurisprudence puis à l'avenir, comportez-vous comme tout le monde parce que vous agissez exactement comme le procureur s'est fait ramasser copier le juge. Vous agissez exactement pareil. Vous et Lafrenière, vous êtes pareil comme dans ce jugement. Bonne journée. De la même façon. Là. Bon week-end. Bye-bye. Que, grosso modo, moi, j'ai déposé cet enregistrement-là à la cour dans mon mémoire. Je l'ai inclus. La juge l'a vu. Maintenant, elle a pris en délibéré hier pour rendre son jugement si elle acceptait d'entendre mon appel. Puis, sous si elle rejette qu'elle adhère à la corruption du Barreau du Québec. Puis, sinon, moi, j'ai avisé que si elle refusait, j'allais en cour d'appel, puis ça va pas se passer devant trois juges, puis c'est complètement des stupidités. Mais au-delà de ça, hier, les gens, ils ont vu Éliane Hogg, au début de l'audience, elle avait présenté un stagiaire. Maintenant, j'ai sorti, je vais vous le lire, puis ensuite, je vais tourner la page, je pourrais aller le trouver sur le lien Facebook. Ça vient de l'école du Barreau. Acte professionnel que peut accomplir le stagiaire. Le stagiaire peut, sous la supervision étroite et la responsabilité de son maître de stage, accomplir la plupart des actes professionnels d'un avocat. Les actes professionnels d'un avocat incluent la signature de tout document juridique en se désignant sous l'appellation stagiaire en droit, ainsi que la représentation devant les tribunaux. Toutefois, le stagiaire ne peut autoriser une plainte au criminel, étant donné que cet acte relève de la fonction du procureur de la Couronne. Il ne peut non plus légalement assermenter une personne, car il n'a lui-même pas prêté serment. OK, je vais vous tourner l'écran. École du Barreau. Les trois premiers paragraphes. Ben, ouais. OK? Ça, là, hier, ils ont envoyé quelqu'un pour dire des niaiseries à la cour. Et c'est quelqu'un qui n'a pas prêté serment. Là, présentement, il y a des crimes de commis à mon égard. Ils ont pris une procédure pénale. C'est les lois criminelles et pénales. Puis, on essaye de m'extorquer de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que les serments d'allégeance? Disposition générale, je vais vous le montrer, je vais vous le lire en premier. Les titulaires d'une charge publique, les maires ou autres officiers publics ou administrateurs d'un organisme doté de la personnalité morale, ainsi que les personnes appelées ou admises à exercer comme avocat, notaire ou autre officier ministériel, sont tenus au seul serment d'allégeance, sauf si une règle de droit exige d'eux qu'ils prêtent aussi le serment professionnel nécessitant par l'exécution des fonctions de leur charge ou l'exercice régulier de leur profession ou de leur métier. Donc,
Je vais vous le montrer. Sont tenus au seul serment d'allégeance. Maintenant, qu'est-ce que le serment d'allégeance? Et voilà le serment d'allégeance qui est je jure fidélité, sincérité, allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. OK? Que les petits stagiaires, ils n'ont pas fait ça. Les avocats sont obligés. Et dans mon enregistrement avec Maître Hogg, je lui ai demandé si elle a prêté son serment d'allégeance. Elle n'a pas voulu me répondre. Elle disait que c'était à moi d'argumenter ça à la cour. Je lui ai fait une grâce hier. Je n'ai pas embarqué dans les arguments devant le tribunal pour pas qu'elle se mette mal à l'aise. Mais je le fais publiquement, par contre. Elle a amené un stagiaire que, officiellement, c'est sûr à 100% que la preuve est là. Il est venu plaider à la cour sur des accusations à mon égard, à l'égard de l'organisme citoyen. Maintenant, qu'est-ce que le code criminel dit concernant quelqu'un qui fait ça, qui commet des actes comme ça? Ben, je vais vous le lire en premier, puis ensuite je vais vous le tourner. À moins, l'article 126 du code criminel, à moins qu'une personne ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant volontairement une chose qu'elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu'elle prescrit, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans. Que hier, il y a un jeune qui est venu plaider le mémoire loufoque. Il y a un bantam, comme Tao il dit, qui est venu défendre pour me porter des accusations pénales. C'est assez spécial. Que sur ce, ben j'attends le jugement de la juge qui présidait hier. J'ai confiance qu'elle va procéder au rejet de leur requête, puis il n'y a aucun motif invoqué dans les mémoires qui peut m'empêcher de faire mon mémoire, de faire mon appel. Que les personnes hier qui ont assisté à la cour, ben, ont assisté à un autre cas de corruption du barreau du Québec. Ils ne respectent pas les lois. Maître Hogg, pour quelle raison elle n'a pas défendu ses points? Ça lui appartient. Maintenant, le jeune stagiaire, ben moi, je lui conseille de faire son stage ailleurs. Que sur ce, je vous souhaite... Tao vient de porter il vient de le mettre public. Bon, que sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Que Tao, j'ai vu que tu as mis un commentaire, là. En tout cas, je n'ose pas peser sur le piton pour pas fermer le live. Mais c'est ça, que je vais vous donner des nouvelles sous peu dès que j'ai le jugement concernant ce dossier-là. Puis, il y a d'autres dossiers qui s'en viennent avec le Barreau du Québec aussi. Le 25-26 février, il y a un autre procès. Je vais faire un événement bientôt. Que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je me remets au travail. J'étais encore dans d'autres dossiers. Sur ce, merci à tous ceux qui sont venus hier, qui se sont déplacés dans la tempête. Bonne fin de journée.